suis Wagbeni Koufi Hervé, responsable des programmes jeunes et adolescents à l'ATBF, Association Togolaise pour le bien-être familial. Le contexte au Togo est caractérisé par une population extrêmement jeune. Et malheureusement, cette jeunesse est minée par les grossesses précoces, les avortements, les abandons scolaires. Et on note également une violence basée sur le genre. Le grand défi qu'on a rencontré, c'est le dialogue intergénérationnel, puisque la question de la santé sexuelle est une thématique taboue dans nos milieux. Ce dialogue intergénérationnel nous a demandé d'abord le renforcement de capacités des jeunes et des parents afin de les outiller, afin qu'ils aient une clarification des valeurs sur la santé sexuelle de la reproduction. Nous avons des activités d'offre de services conviviaux qui rapprochent les services de la communauté à travers notre clinique mobile. Et c'est évidemment avec l'appui des jeunes formés qui réfèrent les potentiels clients vers notre clinique mobile pour l'offre de services gratuits. Au début, on était bouleversés face à cette situation de la COVID, mais une réflexion plus poussée nous a permis de trouver des approches et des solutions. Et c'est ce qui nous a permis de transformer cette crise en opportunité. Et elle a joué en notre faveur parce que la communauté a senti qu'on n'était pas là seulement pour parler des problèmes de la santé sexuelle, mais pour parler du bien-être. Ça nous a amené à avoir l'adhésion totale de la population. Du coup, nous avons équipé les communautaires de matériel de prévention de la COVID et c'est ça qui nous a permis de booster nos résultats.